chaud du gouvernement Legault, c'est la négociation avec les employés de l'État. Oui, rappelez-vous, au début de la crise, François Legault avait rencontré les représentants syndicaux. Il leur avait fait une proposition, renouveler rapidement les conventions collectives pour se concentrer sur la crise du coronavirus. Or, ça fait déjà un bon moment. Selon les syndicats, les négociations n'ont pas vraiment avancé. Alors, il y en a plusieurs d'entre eux qui estiment qu'on devrait repousser ça à plus tard, se concentrer sur l'adoption de mesures immédiates de santé et de sécurité pour le personnel du réseau de la santé. Pour plusieurs syndicats, c'est ça la priorité, c'est même urgent. On va entendre la présidente de la PTS. On n'est plus à l'heure là, de négociation, on est à l'action. Nous, là, aujourd'hui, là, on veut un message clair qu'on ne fait pas juste les appeler les anges, qu'on fait tout pour ne pas leur brûler les ailes. Alors, on appelle le gouvernement à agir rapidement. De son côté, le premier ministre aujourd'hui a déclaré que selon lui, ce n'était pas vraiment une source de désaccord, les mesures de santé et de sécurité pour le personnel en milieu hospitalier. De son côté, le Conseil du Trésor a émis une déclaration en soirée selon laquelle on souhaite toujours renouveler les conventions collectives. À suivre donc sans doute au cours des prochains jours.